Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Bonjour Robert, Sophie. Donc suite aux petits problèmes techniques qu'on a eu la semaine dernière, durant le webinaire, on a décidé de refaire trois sessions cette semaine. C'est la dernière. Donc vous ne serez pas nombreux, on pourra en profiter pour que vous puissiez poser toutes vos questions et j'essaierai d'y répondre au mieux. Alors, comment allez-vous? Vous pouvez interagir avec moi dans les questions. C'est habituellement avec ça que je communique avec vous, sinon directement dans comment? C'est directement dans le chat que vous pouvez discuter avec moi. Hop. Alors est-ce que Robert ou Sophie, est-ce que vous avez déjà utilisé GoAnimate ou Powtoon auparavant, ou est-ce que c'est nouveau pour vous? Je vous laisse répondre dans par non. Ok, non pour Sophie. Et toi, Robert? Ok, super, Sophie. Ben, j'espère vous apprendre des choses alors. Est-ce que vous avez l'intention d'utiliser un de ces deux outils? Est-ce que vous souhaitez faire de la vidéo? Ok, c'est dans mon projet. Parfait. Bon, on va attendre encore 1 ou 2 minutes que des autres participants arrivent, si c'est le cas. Sinon, on démarrera et puis bon, je vais vous faire découvrir donc GoAnimate et Powtoon pour un petit peu expliquer la différence entre les deux. GoAnimate, c'est fait pour créer des scénarios, donc vous pouvez illustrer vos formations à travers des dessins animés, mais for B2B. Et pour la partie Powtoon, c'est plus du motion design, donc on va animer des objets pour raconter, pour accompagner votre discours lors de vos formations en ligne. Voilà un petit peu pour la différence entre les deux. GoAnimate est un peu moyennement plus complexe que Powtoon. Powtoon, il y a déjà des templates qui sont préparés, donc il suffit plus que de raconter votre histoire et donner votre formation. Par contre, pour GoAnimate, il va falloir tout scénariser et il y a un plus gros travail en amont à faire avant de commencer à digitaliser et à créer votre histoire. Voilà. Je vais commencer par GoAnimate en vous montrant comment est-ce qu'on crée un petit personnage. Donc, vous pouvez créer vos avatars et les personnaliser. Et ensuite, je vais vous montrer comment on crée un scénario, comment est-ce qu'on fait bouger la caméra. Comment est-ce qu'on fait pour les faire parler? Voilà, c'est vraiment un outil génial une fois qu'on sait le maîtriser. Par contre, si c'est dans vos tout débuts, ben, il y a moyen tout de même de l'utiliser petit à petit et de le découvrir. Voilà. Alors. Hop, j'attends encore 1 minute qu'il soit 35 et puis on y va. Bon, ben les 35, on va démarrer, donc nous ne sommes que 3. Profitez-en pour poser toutes vos questions. J'ai des questions sur un écran à droite, donc posez-les et je jette un coup d'œil de temps en temps. Alors, pour créer hop, un personnage, on va d'abord aller cliquer donc Make a Video. Tout est en anglais chez GoAnimate et Powtoon. Donc faut voilà un petit peu pour la petite histoire. Donc, on peut avoir différents templates, soit des styles BD, style cartoon animé, soit voilà, c'est donc whiteboard, c'est quelqu'un qui vient dessiner le tout. On peut avoir des infographies aussi. On peut avoir voilà, des choses comme ceci, mais je trouve pas que c'est top. Et puis, vous pouvez importer votre PowerPoint et le rendre beaucoup plus interactif à travers une vidéo. Je n'ai pas encore essayé ceci parce que c'est en test, mais d'après l'expérience que j'en ai, c'est pas toujours terrible d'importer un PowerPoint. Enfin, il n'y a pas de magie, il faut de toute façon
recréer des choses derrière. Donc pour créer un personnage, il faut aller cliquer sur Character Creator. Donc je clique dessus. Hop, donc ça utilise la technologie Flash, donc vous ne pouvez malheureusement pas créer des GoAnimate ou Powtoon sur une tablette iPad. Une tablette Android, oui, mais pas iPad. Donc soit vous êtes sur ordinateur ou vous êtes sur une tablette Android. Il faut toujours un petit peu de temps pour que ça charge. Ici vont apparaître les personnages que j'ai déjà créés moi dans mes projets. Et puis en cliquant sur le petit plus. Donc décidément, un petit souci. Je vais recharger la page. On dirait qu'Internet rame un petit peu. Hop. Alors, effectivement, ça rame. Désolé pour ça. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas. Tiens, est-ce que... Tiens. Alors, que se passe-t-il? Maintenant, je Ok, c'est Flash qui ne va pas. Malheureusement, on ne sait rien y faire si ça ne veut pas fonctionner. Ben quoi que, ben voilà, c'est bon. Voilà, fallait recommencer. Donc ici, ce sont tous les personnages que j'ai créés. Je peux en créer un nouveau. Et là, vous avez différents choix. Soit vous avez des adultes, des enfants ou des personnes un peu plus fortes. Donc ici, on va prendre une femme. Hop. Donc je clique sur le petit icône, petit pictogramme qui fuit. Exact, Robert. Non, mais non, tu portes pas malheur. Donc ici, vous avez tous les personnages. Donc on peut customiser à la fois donc les vêtements, les pieds, les mains, le tout. Bon, moi j'aime bien le petit tailleur, ça fait assez professionnel, ou alors ceci. On peut agrandir, on peut changer également la couleur des vêtements une fois que vous les avez mis. Bon, on va rester dans le traditionnel, on va rester là-dessus. Ensuite, en dessous, on peut mettre donc hop, on va mettre une jupe. Voilà à quoi elle ressemble. Les mains, la customisation, bon, on peut mettre des gants, bon, ici c'est pas le but. Ensuite, pour les chaussures, on va lui mettre des petits talons avec des bas ou sans. Bon, ici on va rester sans. La taille du visage, donc plutôt la forme, on va rester là-dessus. Ensuite, on peut choisir une coiffure. Donc ici, pour la coiffure, on va prendre celle-ci, voilà. Et puis on peut changer, hop, on peut agrandir et changer un petit peu la couleur. Voilà. Ensuite, pour la bouche, habituellement, on choisit celle-ci. C'est celle qui est la plus fun. Sinon, pour les femmes, vous pouvez mettre du rouge à lèvres. Il n'y a pas de problème. Bon, hop. On peut changer donc les oreilles. Bon, ici, on ne les voit pas, donc ça sert à rien. Les yeux, habituellement, on prend ceci. Sinon, on peut mettre en bleu avec les yeux qui sont un petit peu rapprochés. Sinon, on a ce genre de choses. Ici, bon, on va garder cela. Les sourcils, bon là on va garder cela aussi. On peut customiser le nez, on peut mettre des lunettes et à la fin on peut mettre aussi des accessoires sur la tête, comme Batman, etc. Voilà, une fois que c'est fait, je vais prévisualiser. Donc voilà à quoi ressemble par exemple Sophie. Hop, et donc si on veut que Sophie, hop, fasse une action, on peut aller sélectionner donc toutes les actions ici. Hop, voilà, par exemple, on peut faire en sorte voilà, qu'elle fume. Sinon, il y a d'autres choses. Cooking, voilà, elle est en train de cuisiner. Elle apporte la pizza. Et là, elle est en train de, par exemple, de mettre des ingrédients sur la pizza. Et pour les expressions du visage à droite, on peut changer également. Avoir donc, soit elle est face caméra, soit elle regarde un autre personnage qui est en face d'elle. Et ça donne ceci. Bon, là, elle regarde la pizza, mais sinon, si on fait en sorte qu'elle soit en train de... Bon, il y a tellement de choses, on va... Hop. Voilà, par exemple, ici, elle reçoit une carte de visite. Bon, ben, elle donne sa carte, et puis elle en reçoit une autre. Et donc là, elle regarderait la personne qui se trouverait ici sur la droite.
Voilà, bon, je vais rentrer dans GoAnimate. Donc là, on va l'enregistrer, on va créer une vidéo et on va utiliser le petit personnage, donc Sophie, qu'on a créé. Et on va la mettre, on va faire en sorte qu'elle vive une histoire. Alors, je clique sur Créer une vidéo. Hop, je vais arriver ici. Je clique sur Sélectionner ce type de format. Et puis là, il y a tout le système qui va se mettre en route, donc il faut toujours un petit peu de temps pour que ça charge. Ici sur la droite, ce que vous voyez, ce sont des voix professionnelles. Vous pouvez soit mettre vos propres voix sur les personnages, si vous souhaitez que vous soyez un petit peu plus, que ce soit un peu plus pro. Vous pouvez utiliser des sites internet comme VoiceBunny, c'est pour moi le mieux. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, voilà VoiceBunny. Donc vous pouvez sélectionner la langue, le nombre de minutes ou le nombre de mots ou le nombre d'heures ou de secondes. Et quand vous cliquez sur écouter des voix, vous avez différentes voix que vous pouvez écouter de professionnels et voir les différents prix qu'ils proposent. Voilà. Bon, donc si je retourne dans GoAnimate, je vais quitter ceci. Alors je fais un petit tour du contour. Donc vous avez la barre de menu avec prévisualiser, sauvegarder. Ici, dès que vous faites une action, vous pouvez cliquer pour revenir en arrière. Et sur la droite, vous avez donc tout ce qui concerne la customisation de la vidéo, les différents templates. Donc, par exemple, pour les templates, on peut avoir au travail. Hop, si je prends cette scène, par exemple, ben voilà, j'ai toute la scène avec tous les objets que je peux déplacer. Je peux les mettre un petit peu où je souhaite. Je peux rajouter des personnages, faire en sorte qu'ils soient assis. Je peux changer ce petit personnage, on va le changer dans un instant pour y mettre Sophie. Donc ici, ça c'est les templates, ça c'est les différents personnages donc ça c'est des personnages par défaut. Et mes personnages à moi, ils se retrouvent tous ici avec Sophie. Les props, ce sont tous les objets que vous pouvez rajouter dans la vidéo. Hop, bon, je vais supprimer celui-ci. Vous pouvez aussi mettre des petites bulles de texte. On peut me rajouter un petit peu de texte par au-dessus comme ceci, sinon on peut avoir ce genre de choses. On peut également avoir du texte qui s'affiche comme ceci ou du texte comme cela. Voilà, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc c'est pas seulement de la vidéo, il peut y avoir du texte également. Hop, ah oui, sur la gauche, pardon. Ici au niveau des widgets, donc ce sont des objets qui vont être interactifs. Donc, si vous rajoutez 86%, vous allez pouvoir éditer et mettre par exemple le 100%. Et quand la scène va arriver, vous allez avoir le pourcentage qui va monter de 0 à 100 en animation. Et puis finalement, vous pouvez mettre du son, une petite musique de fond pour votre vidéo. Je vais d'ailleurs la placer tout de suite parce qu'habituellement je l'oublie. Donc moi, je vais prendre celle-là. Je vous ferai écouter après. Je viens la glisser ici tout en bas. Et ici, c'est là où vous éditez tout le contenu, en tout cas toute la scénarisation, les voix et la musique. Donc on voit ici, ce sont les scènes. Ici, ce sont les différentes voix. Et ici, la musique. Donc pour éditer la musique, je clique sur la bande sonore et là j'ai des options, soit la faire jouer pour l'écouter, raccourcir la durée, donc faire en sorte que ça ne dure qu'une scène. Vous pouvez également jouer avec le volume, donc moi je vais choisir 10%. Voilà. Et ensuite vous pouvez dupliquer la bande sonore, vous pouvez aussi la couper en deux. Hop, on voit là, elle a été coupée. Bon, moi je vais revenir en arrière, c'était pas ce que je voulais faire. Hop, voilà. Et vous pouvez aussi la supprimer. Bon, moi, je vais revenir en arrière, je voulais la garder. Voilà. Bon, donc, une fois que ça, c'est bon, si je clique sur un objet, vous allez voir ici, sur la gauche, ça va se transformer. Donc, je clique sur le personnage et maintenant, je suis dans l'édition du personnage en lui-même. Je peux lui faire différentes positions, soit au travail, à la maison, en train de faire du management, en train de voyager, voilà, en train de faire du sport, il y a beaucoup beaucoup de choses. Mais avant tout, j'aimerais bien changer cet homme en Sophie qu'on a customisé ensemble. Donc, vous avez plusieurs options, soit faire venir le personnage en arrière, soit le faire venir en avant. Voilà, bon, nous on va le faire venir en arrière. Vous pouvez le changer aussi, donc faire en sorte qu'il
qui soit de l'autre côté. Vous pouvez le faire marcher. Donc ici, hop, il va se mettre debout et donc je peux le faire sortir de la pièce par exemple. Alors ce qui est assez sympa avec Wanimate, c'est que hop, on peut rétrécir le cadre de la vidéo pour voir un petit peu où le personnage s'en va et on peut lui faire faire, on peut avoir une perspective. Donc plus il va marcher, plus il va s'éloigner par exemple. Bon, moi c'est pas du tout ce que je voulais qu'il soit, hop, je voulais rester assis, hop, donc il va rester hop, assis, voilà. Et en cliquant sur ce dernier bouton, donc swap asset, on échange le personnage pour un autre. Et donc ici sur la gauche, eh ben, je peux changer le personnage par Sophie. Elle va prendre la position du personnage directement où vous n'avez rien à faire. Ça se fait de manière totalement automatique. Alors, je reviens sur Sophie. Maintenant, j'aimerais bien lui faire dire quelque chose. Donc, j'ai les actions ici en haut, j'ai le dialogue et j'ai l'animation. Est-ce que je veux faire en sorte qu'elle apparaisse ou qu'elle sorte, lui faire faire une animation? Moi, je vais rester dans le standard. On va lui faire dire quelque chose. Donc, soit vous pouvez enregistrer directement votre voix avec le micro. Je vais pas le faire vu que Flash pose un petit peu des soucis ici. Donc, vous cliquez sur ce petit bouton et vous pouvez enregistrer maximum 20 secondes avec votre micro. Vous pouvez importer directement un fichier également depuis votre ordinateur, un fichier MP3, WAV ou M4A. Donc, si vous utilisez des petits outils externes pour enregistrer votre voix, c'est également faisable. Et là, il n'y a pas de limite dans la durée. Et puis, du text-to-speech. Alors, le text-to-speech, c'est donc une voix robotisée que vous allez écrire votre texte et le texte va se transformer en une voix robotisée. En anglais, les voix sont parfaites. Par contre, en français, elles sont un petit peu compliquées. Donc, vous choisissez donc mâle ou femelle. Voilà. Français. Et puis, ben, il y a différentes voix. On va garder Céline ici. Donc, là, on va faire en sorte qu'elle s'introduise. Bonjour. Je m'appelle Sophie et je suis hop. Business consultant dans un grand cabinet. Hop, voilà. Je vais vous expliquer mon quotidien. Voilà. Et donc, je vais générer la voix. Vous n'allez pas l'entendre, mais on l'écoutera tous ensemble à la fin. Voilà, donc j'ai rajouté la voix de Sophie, et ça s'est synchronisé automatiquement avec sa bouche et elle s'est mise, le son s'est mis directement en dessous de la scène. Alors maintenant, si je veux faire en sorte que Sophie nous regarde, il faut que je retourne dans les actions et tout en bas il est marqué expression et là on choisit non pas automatique, mais on va choisir trois quarts happy, hop, et donc elle va normalement, alors. Flash me pose encore des problèmes. Normalement, ça aurait dû fonctionner. Ah non, il faut que je fasse face camera. Hop. Où est-ce qu'il est? Face camera. Happy. Voilà. Et donc maintenant, elle nous regarde. C'est beaucoup plus agréable. Ici, on peut mettre un titre, introduction à la formation. Hop. Voilà. Je prends le texte, je le glisse un petit peu ici. Maintenant, on va faire en sorte qu'elle se lève. Et puis qu'elle s'en aille et qu'elle traverse, par exemple, qu'elle aille voir sa collègue et qu'elle discute un petit peu avec. Donc je vais faire en sorte qu'elle se lève. Donc là, on tape ici dans le petit fil de recherche dans les actions stand up. Hop, on valide et là, bon, elle va se lever. Hop, voilà. Et puis on va la faire partir par là. Donc là, je rajoute une scène. Donc en bas, j'ai cliqué sur plus. À chaque fois que je clique sur le petit plus, ça me rajoute la même scène que la précédente. Et là, il me suffit donc de la faire marcher. Donc, cliquer sur l'action mouvement marcher. Hop. Et donc voilà, hop, elle va partir par là. Alors, je crée une nouvelle scène. Maintenant, elle se retrouve en dehors de mon cadre. Je vais changer le template ici pour un autre pour faire en sorte qu'elle arrive et qu'elle aille discuter avec sa collègue. Hop, voilà. Donc là, toute la scène va se transformer. Hop. On va faire en sorte que ce personnage-là, ce soit. Qu'on va garder ce personnage-là. On va retirer ce personnage et on va rajouter notre fameuse Sophie. Hop, ici. Voilà.
et on va l'agrandir un petit peu. On va faire en sorte qu'elle marche et qu'elle arrive à discuter avec son collègue. On va la rétrécir un petit peu parce qu'elle me paraît quand même assez grande. Hop, voilà. Et ici, bah, son collègue va lui dire, hop, voilà, arrivé comme ça. On va lui faire dire bonjour à Sophie. Voilà, donc même chose, je clique dessus, je vais dans dialogue, text to speech. Et donc là, donc c'est la voix d'un homme en français. On va prendre Olivier. Hop, bonjour Sophie. On va pas mettre le. Faut faire attention parce que quand on met deux majuscules qui se suivent, il a tendance à dire SO et puis FI. Hop, comment vas-tu aujourd'hui? Je sais que tu as rendez-vous avec. Voilà, on est autorisé. Tu as rendez-vous avec le boss. Voilà. Donc là, normalement, on entend la voix. Bon. On va changer la voix parce qu'elle n'est pas top. On va prendre Thomas. Voilà. Donc ici, Sophie, elle s'est arrêtée. Hop, on va faire en sorte qu'elle regarde Mathieu. Alors, trois quarts contente. Voilà. Lui, on va faire en sorte qu'il s'arrête de parler. Hop. Donc, no. Hop, je ne sais pas pourquoi il parle. On va faire sitting. Voilà. Et il va juste être assis. Donc ici, on a toutes les actions où il est assis. Voilà. Hop. Et comme ça, il ne va pas parler. Et c'est elle qui va parler maintenant en disant, voilà, text to speech. Hop. Français. C'est parti, Céline. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Mathieu. Oui, j'ai rendez-vous par rapport aux chiffres du mois. Aidez-moi à venir. Hop, voilà. Hop. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la conception de la vidéo parce que sinon on est parti pour toute l'après-midi. Et je vous montre un petit peu les différents templates. Donc on a soit au travail, on a 35 templates, il y a vraiment tout. On pourrait avoir chez le boss également. On peut aussi avoir à la maison, donc il y a tous des templates chez soi, donc soit type loft ou alors type plutôt une maison. Tout ce qui est domaine industriel, donc enfin, tout ce qui est produits chimiques, atomiques, etc. Même domaine aérien, domaine maritime, enfin on a vraiment tout, livraison de colis. Leisure, c'est tout ce qui est donc aller au cinéma, au restaurant, faire des activités, aller voir un concert de musique classique, il y a vraiment tout au Starbucks, enfin, tout est disponible. Et puis vous avez des choses un peu plus classiques comme des templates pour faire un peu de marketing ou de type formation avec. Alors je vais montrer ici de type formation. On peut avoir quelqu'un qui donc montrer un cercle, montrer la prochaine formation, incruster des images, avoir également quelqu'un qui explique pardon quelque chose. Niveau marketing, est-ce que j'ai ça? Voilà, quelqu'un qui explique quelque chose. On peut avoir différentes choses. Il suffit juste d'explorer un petit peu le tout. Et puis plus loin, il y a gouvernement, dans un hôpital, il y a vraiment de tout. Avant que je ne commence à, avant que je ne fasse prévisualiser, est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation de GoAnimate auxquelles je pourrais déjà répondre? Je vous laisse quelques secondes pour taper votre question si vous en avez, sinon bah, dites-le moi et on continue. Oui, donc Sophie, donc ce sera possible de revoir cette séance. D'ailleurs, on a enregistré les trois de la semaine, donc j'ai présenté à chaque fois différents templates. Mais oui, ce sera possible de le revoir, tout est enregistré et on vous enverra le lien, il n'y a aucun problème.
Malheureusement, c'est vrai qu'en 1 heure, enfin en 30 minutes, j'ai pas trop le temps de tout montrer, mais voilà. Sinon, si vous avez besoin d'aide, on peut prévoir un rendez-vous ou un accompagnement, il n'y a aucun problème. Alors, Robert, c'est vrai, les débuts sont lents. Au début, pour créer une vidéo d'une minute, il me fallait plus ou moins 2 jours. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. La semaine dernière, j'ai créé ma. Enfin, j'ai atteint 1600 vidéos en création, que ce soit chez des clients, un mix de tout chez des clients, chez nous. Donc, alors, est-ce que je peux montrer 2 minutes avec les dessins? Avec l'autre template, c'est bien cela? Ou alors, hop, donc si je retire tout ici. Alors, du coup, pour changer le thème, il suffit d'aller cliquer ici en haut à gauche, et donc vous avez Business Friendly. Et puis Whiteboard, on va cliquer sur Whiteboard. Et donc le temps que ça change et que ça charge tous les nouveaux templates. Mais sinon, hop, on a le même style, mais à la place, c'est hop, enfin le même style. Un peu le même principe, mais à la place, c'est. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. À la place, c'est tout simplement en noir et blanc. Voilà, et puis c'est exactement la même chose pour faire parler les personnages. En fait, ils ont été malins, ils ont fait exactement la même chose en noir et blanc avec des personnages différents. Voilà. Et ouais, exactement les mêmes fonctionnalités. Voilà. Hop, donc pour vous montrer le tout, je vais retirer enfin mes écouteurs. Hop. Comme ça, vous pourrez écouter un petit peu ce que ça donne. Oui, il y a de l'écriture. Si, si, il y a de l'écriture en live, hein, Sophie. Si maintenant je prends du texte, hop, vous voyez le texte ici, il y a le petit crayon. Eh ben, en fait, si je veux rajouter du texte par-dessus, hop, voilà. Je mets bienvenue à tous. Hop. Et je veux par contre mettre un petit fond derrière. Voilà. Par exemple, je vais prendre ça et puis on va voir ce que ça donne. Si je prévisualise maintenant le tout. Hop, attention, les voix, ça va quand même piquer parce que c'est du robot, donc c'est pas optimisé, mais au moins faire du prototype pour montrer à vos Bonjour, je collègues. m'appelle Sophie et je suis business consultant dans un grand cabinet. Je vais vous expliquer mon quotidien. Bonjour Sophie, comment vas-tu aujourd'hui? Je sais que tu as rendez-vous avec le boss. Bonjour Mathieu. Oui, j'ai rendez-vous par rapport aux chiffres du mois et des mois à venir. Voilà, ça a un peu une idée. Donc oui, en fait, tous les dessins vont venir se dessiner. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal en plus. J'avais jamais été vraiment jusque-là, mais je préfère en couleur, mais pourquoi pas en noir et blanc, ça donne un style un peu différent. Voilà, est-ce que ça répond à votre question, Sophie? Ou est-ce que je dois développer un petit peu plus? Ok, super. Bon, donc maintenant on va passer sur Powtoon. Alors, Powtoon, donc même univers. Mais par contre, là, c'est vraiment du motion design, donc on est plus dans du dynamique. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup d'animations. C'est plus des objets, pas vraiment des personnages. C'est pas possible de les faire parler, c'est pas possible de les faire se serrer la main, courir, etc. On est vraiment dans du statique, mais dynamique. Alors, ce que j'aime bien chez Powtoon, c'est vraiment guidé. C'est beaucoup plus simple pour démarrer dans de la vidéo. Que GoAnimate. Donc ici, vous avez 3 choix. Quand vous créez votre Powtoon, soit vous démarrez à partir de rien, soit vous vous inspirez de templates qui existent déjà, ou alors vous créez votre histoire scène par scène. Je propose de choisir de créer son histoire scène par scène. Je vais vous montrer pourquoi. Quand vous cliquez dessus, donc ça génère le storyboard. Et là, vous pouvez choisir le type de template. Donc, encore une fois, vous avez plus corporate avec des images, plus cartoon, infographie, whiteboard, donc noir et blanc, et puis professionnel. Bon, je vais choisir professionnel pour ce coup-ci. Et là,
La structure de votre storyboard dépend de ce que vous souhaitez faire. Donc, soit vous êtes plus dans le domaine du travail, dans le domaine de l'éducation, ou dans le, pour, personnellement, pour, voilà, si vous souhaitez, par exemple, souhaiter vos vœux, bah, vous pouvez le faire avec, avec Powtoon en envoyant une vidéo à tous vos amis. Donc, ici, on va plus partir dans de l'explainer vidéo avec une introduction. On pose une situation, on a un problème, on répond avec un bénéfice, on a une solution, un call to action, et puis une fin. Donc ici, vous cliquez sur ajouter une intro, et là, vous avez tout de suite différents templates que vous pouvez choisir. Bon, moi, j'aime beaucoup celui-ci. Hop, vous pouvez mettre une intro, c'est assez simple. Et en fait, une fois que vous avez créer toute votre structure avec les différents templates, ça génère la vidéo et vous pouvez tout éditer, mais au moins vous partez sur quelque chose d'assez solide et structuré. Donc voilà, ici si vous voulez faire, vous voulez poser une situation, vous pouvez utiliser par exemple, alors qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Voilà, on peut prendre ceci. Un problème. Donc le problème, on va prendre. Alors, où est-ce qu'il y a? Donc, par exemple, Save the World. Enfin, quoi, j'aurais peut-être pas dû choisir celui-ci. Oups. Je vais prendre. Hop. Où est-ce qu'il est le problème? Situation. Où est-ce qu'il est le problème? À la fin spécifique. Alors, pour rechercher, par contre, c'est un peu plus complexe. Concept, tout en bas. Ah voilà, problème. Voilà, donc ici, ça illustre bien, hop, le problème. Les bénéfices, donc qu'est-ce que je vais en tirer? Donc là, ce qui est sympa, c'est soit d'avoir, hop, it's a deal, donc c'est parfait, on a trouvé les bénéfices. Ensuite, la solution, hop, ça peut être, voilà, ici. Un call to action à la fin pour amener à l'action, on peut avoir, hop, ici, démarrer quelque chose. Et puis pour terminer, hop, on peut avoir un petit mot d'inspiration, voilà, pour engager les utilisateurs, les apprenants. Et une fois que vous avez terminé, soit vous prévisualisez ou vous continuez. Et hop, moi je vais décider de continuer. Là, ça va générer toute la vidéo, donc il faut attendre un petit peu. Vous allez voir, il y a une barre de chargement qui va se mettre gentiment. Hop, je pense que je dois mettre à jour le flash en plus. Alors, c'est pour ça que parfois ça met un petit peu plus de temps. Ça, c'est l'inconvénient de travailler avec des outils flash. Alors ici, une fois qu'on va être parti dans la vidéo, vous allez voir, c'est très très simple. Vous avez sur la gauche, on retrouve toute la structure. On peut dupliquer, rajouter des transitions. Donc moi, par exemple, je veux rajouter une transition entre celui-ci et celui-là. Eh ben, il y a un tas de transitions qui sont hyper, hyper géniales et que ne permet pas GoAnimate. Donc, une fois quand on va cliquer dessus, voilà. Hop, moi, je vais prendre celle-ci. Ensuite, pour cette transition, je veux avoir un peu un... par exemple, je veux avoir un petit tourbillon. Pour passer ensuite ici, j'aimerais bien avoir ceci. Ensuite, avoir un effet avec des mains qui viennent glisser et qui viennent me montrer le prochain slide. Ensuite, je peux avoir un petit pouf. Et puis finalement, je vais avoir un petit clipboard qui va venir se mettre. Bon, on va voir le tout après, hein, une fois que ce sera animé. Alors, pour chaque slide, soit on en rajoute un autre juste après en cliquant sur ajouter un slide. On peut le dupliquer. On peut cloner le slide, cloner des objets du slide pour le prochain ou simplement le supprimer. Il y a aussi deux choix de mode de diffusion. Soit vous êtes en mode vidéo, soit vous êtes en mode slide. Et donc, soit vous, quand vous allez partager votre Powtoon avec vos apprenants, soit ils devront cliquer comme un PowerPoint sur suivant et donc les slides vont s'animer une à la fois. Ça leur permet de rester sur le même slide autant de temps qu'ils ont besoin. Si vous êtes en mode vidéo, ben là, ils sont guidés par la vidéo et là, il n'y a pas le choix mais que de suivre et de passer au suivant. Donc, je vais rester en mode vidéo pour l'instant. Alors, on peut éditer tous les objets. On peut avoir un petit personnage qui est content. On peut lui faire changer.
Ici, bon, il dit bonjour, sinon on peut faire en sorte voilà, qu'il soit super content. On va changer la date, on va mettre 2017. Le titre, c'est ma formation en management. Voilà, ou formation en management. Pas moi, hop, voilà. Hop, et après, ben, c'est un outil. Et ensuite, ici, quand vous changez le texte, vous pouvez soit faire en sorte que ce soit une écriture à la main ou que les lettres défilent en mode rolling, donc elles vont rouler sur la gauche. Moi, je vais décider de rester de manière très simple. Alors, encore une fois, on peut changer la taille ici. Hop, je vais mettre en 60. Bon, en 60, ça va toujours pas. On va rétrécir. Alors, on va partir sur du 36. Voilà. Hop. Je descends un petit peu, ensuite mon texte, hop, suivez-moi, hop, voilà. Alors admettons qu'ici j'aimerais bien donc poser ma voix pour donc introduire le tout. Je vais aller sur la petite barre de menu. Alors est-ce qu'on peut insérer une vidéo MP4 ou une image personnelle? Oui, vous pouvez le faire. Donc ici je peux ajouter, pour ajouter une image, vous cliquez sur image, hop. Voilà, voilà, switch on, hop. Et là, importer une image. Bon, là, bah, vous importez votre image. Donc, moi, par exemple, hop, je vais prendre par exemple celle-ci, voilà, hop. Et donc, elle va venir s'importer, hop. Voilà, j'ai importé, ça a été super vite. En plus, j'ai importé ma petite image qui va venir se mettre ici, par exemple. Et voilà. Sinon, pour importer une vidéo, alors, je ne pense pas qu'on puisse importer une vidéo, par contre. Non, avec Powtoon, on ne sait pas le faire. Avec GoAnimate, vous pouvez justement jouer sur les deux. Vous pouvez insérer une vidéo Powtoon dans un GoAnimate. Donc, vous exportez votre vidéo Powtoon une fois qu'elle est finie et vous pouvez l'insérer à la suite d'une vidéo GoAnimate. Et sur GoAnimate, on peut le faire également. Robert, je vais retourner sur GoAnimate, vous montrer comment on fait. Ici, vous avez un petit onglet importer des médias, ça ouvre un côté comme ça. Hop. Et là, vous mettez tout ce que vous voulez, des images, donc JPEG, PNG, des fichiers audio, des fichiers vidéo, et aussi vous pouvez importer, mais ça c'est si vous avez un abonnement assez gros, des différentes typologie pour vos textes. Alors, je retourne dans Powtoon, voilà. Hop. Donc, si vous voulez poser votre voix sur ce slide, vous allez dans Sound, et là, soit vous enregistrez votre voix, vous pouvez demander une voix professionnelle, soit c'est une musique, ou alors vous importez une voix depuis votre ordinateur. Si vous enregistrez, même chose que Powtoon, que GoAnimate, vous pouvez mettre seulement 20 secondes maximum sur chaque slide. La raison pour laquelle ils ont fait 20 secondes par slide, c'est pour éviter que tout le monde n'abuse et donc préférer utiliser des outils externes parce que sinon leur serveur allait être totalement submergé. Donc, pour ajouter, ensuite, si je veux éditer le nombre de temps que va durer ce slide, ben, vous avez ici en dessous un petit éditeur où on peut éditer et à la fois le son, à la fois la voix qui vient au-dessus. Et ici, vous pouvez allonger la scène. Donc, elle va durer 20 secondes à la place de 6. Il faut faire attention, c'est qu'une fois qu'on allonge de 20 secondes, il faut aussi allonger tous les objets jusqu'à la fin. Alors, je vais rétrécir un petit peu pour que vous voyez un petit peu plus clair. Je vais retourner à 6. Vous voyez ici, il est marqué 5, 3, 5, 3. Eh bien, en fait, c'est le nombre d'objets qui vont apparaître à une seconde. Il y a 5 objets qui vont apparaître à ce moment-là. Et si je monte sur la vidéo, eh bien, regardez, à une seconde, hop, il y a tous ces objets qui vont apparaître. Voilà, qui vont être animés. Et donc, si on veut les changer, ben, il suffit de cliquer sur le petit personnage là. Ben, moi, par exemple, je veux pas qu'il apparaisse à une seconde, je veux qu'il apparaisse à 2. Et donc, si je reviens en arrière, ben, une seconde, il est toujours pas là. Et hop, on va le faire arriver. On va revenir jusque 1. Voilà, donc il va apparaître ici en premier. Si je veux pas qu'il fasse un effet de hop, on appelle ça donc pop. On peut cliquer sur la petite animation, enfin le petit onglet ici. Enfin, le petit icône, et ça représente donc une animation pop. Si on veut faire en sorte que ce soit une main qui vienne déposer
le personnage, on peut cliquer sur la main, et donc là c'est bah, c'est la main qui va venir déposer le personnage en mode up, donc il va venir monter sa main, déposer le personnage, ça ressemble à ça, yop, et il vient de déposer. Voilà, donc on peut encore une fois vraiment s'amuser avec le tout. Et donc, bah, même chose pour chaque scène, vous pouvez venir éditer, on peut venir mettre une image ici dans l'écran. Voilà, ici on résout le problème. It's a deal, voilà les bénéfices rencontrés. On a donc ici on a trouvé, on peut rééditer le texte, on a trouvé la solution. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Et puis un petit mot qui inspire à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est plus. Vous allez plus utiliser Powtoon pour illustrer ce que vous allez raconter lors de votre formation en ligne. Ça peut également être un Powtoon qui vient accompagner une formation en présentiel. Par exemple, pour un client, on a numérisé, on a digitalisé une partie de sa formation en présentiel sur la sécurité dans l'usine. Sécurité, par exemple, ben, sur le, y a tout ce qui était incendie, au lieu d'avoir 15 slides. Avec plein de textes, ben on a fait une vidéo d'un personnage qui est en train de travailler dans l'usine et tout d'un coup il y a un feu qui se déclenche et il l'entend pas parce qu'il a son casque et il continue à travailler. Par contre, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe et puis là la vidéo s'arrête et on demande, donc le formateur demande aux apprenants, ben, qu'est-ce que vous feriez, vous, à sa place, à ce moment-là? Est-ce que vous courez? Est-ce que vous paniquez? Et donc ça met un peu plus d'interaction que juste lire du texte pendant toute la formation en présentiel. Voilà, donc quelques idées que j'ai à vous donner. Et on peut imaginer ce même dispositif quand vous avez des formations en présentiel. On peut tout simplement y ajouter un petit peu de peps. Et l'avantage, c'est que ces vidéos pourront également se retrouver en ligne une fois la formation en présentiel terminée pour que vos apprenants puissent les revoir. Voilà, un petit peu quelques idées ici par là. Et donc, si on veut voir le tout, il faut cliquer sur prévisualiser. C'est vraiment super sympa. Ça rend un petit peu, ça rend beaucoup plus professionnel le tout. Sans qu'il n'y ait aucune parole, c'était quand même, on avait quand même envie de regarder, rien que parce qu'il y a des animations qui sont très dynamiques. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire vos commentaires, voir un petit peu. Bien évidemment, ouais, vous pouvez vous en servir comme démo pour votre activité. Ici, nous, on a un salon dans 2 semaines. On va sûrement utiliser une vidéo Powtoon pour expliquer voilà, ce qu'on fait, les nouveautés qu'on présente. Et ça coûte beaucoup moins cher que de faire passer un professionnel derrière qui va vous animer tout ça. Voilà, ici, vous le faites vous-même. Et puis, vous pouvez également faire des teasers, donc des petites vidéos très courtes, afin d'annoncer un nouveau programme de formation que vous allez diffuser. La mettre dans un email, est-ce que c'est lourd? Alors, pas du tout. Si vous utilisez Mailchimp ou Mailjet, je ne sais pas si vous connaissez. Vous pouvez incruster des vidéos directement dans le mail que vous allez envoyer. Donc, quand ils vont ouvrir le mail, la vidéo elle va se lancer soit automatiquement, ou alors ils cliquent dessus et ils vont revoir comment? Ils vont revoir la vidéo. Voilà. Ici, que vous avez d'autres questions? Robin, est-ce que tu as des questions, toi, par rapport à ça? Est-ce que ça te donne envie d'utiliser le tout? Oui, c'est vrai qu'il faut un moment se lancer. Ici, on va lancer des workshops en avril et mai, hein, c'est bien ça. En avril-mai, sur quel. Les sujets des workshops. Non, non, pas les sujets, les villes. Ah, c'est l'île Musée Arabe. Ouais. Après, ça a aussi au Technofuturtique. Ok, on va lancer des workshops.
Donc, le 19 mai à Gosselies. Le 19 mai, ça sera à Gosselies, à Techno Future Tech. Et ensuite, le 21 avril. Et le 21 avril, ça sera à Lille, au Mutual Lab. C'est totalement gratuit. Ça me permet aussi de rencontrer les utilisateurs qui nous suivent. Et là, ça sera des formations sur les outils du Rapid Learning, donc exactement ces outils-là. Et là, l'objectif à la fin du workshop, c'est que vous ayez quelque chose à présenter, soit à vos apprenants ou à vos collègues. La date du Techno Future Tech, c'est le 16, le 19 mai, au matin, après. Matin. Le 19 mai au matin. 8h30, 13h30, il y a un networking entre 12h30 et 13h30. Ok, 8h30, 13h30, de 8h à midi on fait du workshop et de midi à 13h30 il y a un petit catering qu'on offre avec un petit peu de networking. Et un petit déj le matin, on fait un petit déjeuner, etc. Alors, ok, bah oui, je ramènerai quelques exemples, Robert. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'y inscrire? Les liens seront disponibles la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous enverra des liens pour vous inscrire via un emailing. Donc voilà, il n'y a pas de souci, on vous tiendra au courant. J'espère que vous serez nombreux. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Il y a des amis formateurs qui souhaitent se lancer. Il y a 50 places de disponibles par événement, ce qui est déjà pas mal. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner et de vous former aux outils qui vous permettent tout doucement de passer au digital et voilà, d'être plus interactif. Alors Robert, pour acheter l'une ou l'autre formation sur le marketplace, le marketplace sera sort, à mon avis, ici on a pris un tout petit peu de retard. Pardon ? Ouais, début avril on va le sortir parce qu'on a pris un peu de retard dans l'intégration des formations présentielles et blended learning de certains partenaires. Donc afin qu'ils soient un petit peu plus fournis que ça, on va lancer ça en avril, donc tu seras tenu au courant si priorité à la plateforme. Voilà. Bon bah écoutez, merci d'avoir suivi ce webinaire, même si on n'était que trois, c'était quand même sympa. Je vous renverrai le lien, enfin c'est pas moi, c'est Xavier, notre marketeur, qui vous renverra le lien pour pouvoir revoir la vidéo ou les vidéos de tous nos autres webinaires en même temps. Et on vous tiendra au courant pour les workshops donc qu'on va organiser en avril et en mai. Ça passera en email. Voilà, ça passera en email. Voilà. Bon, ben merci à vous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Au revoir.